Allez, on va passer au duel de blagues tout de <laughs> suite. Le duel de blagues entre Valérie Benaïm et Jean-Pierre Foucault. Une blague chacun qui a la meilleure. Jean-Pierre nous en a fait une hier, exceptionnelle. Ouais. Ah, on a ri, on a ri comme, oh là là, comme des baleines. <laughs> c'est vrai qu'il a été très, très, des très drôle. C'était quoi déjà Je ne me rappelle plus. C'était les ah trois petits, petits cochons. Ah oui, c'est vrai, les trois petits cochons. Ah. étaient très très drôles. Vous ah. pouvez ah. la réécouter d'ailleurs hein, euh, sur Europe1.fr. Jean-Pierre, vous démarrez. Trois hommes qui arrivent au paradis. Le premier raconte à Saint-Pierre qui l'accueille. Écoutez, ça faisait un certain temps que je soupçonnais ma femme d'avoir une relation extra-conjugale. Donc je suis rentré chez moi à l'improviste et évidemment je l'ai trouvé complètement nu sur le lit. J'ai immédiatement fouillé l'appartement pour trouver le coupable, en vain. Et puis je me suis souvenu qu'habitant au 15e étage de la tour, on avait un petit balcon. J'ai donc ouvert la porte-fenêtre et là, j'ai vu cet homme, suspendu dans le vide, s'agrippant à la rambarde du balcon. Je lui ai piétiné une mains pour qu'il tombe. Il tenait bon, le salopard. Je suis parti chercher un marteau. À grands coups sur chaque main, il a fini par lâcher prise. Mais un arbre a amorti sa chute. Voyant qu'il bougeait encore, j'ai attrapé le frigo de la cuisine. Je l'ai fait basculer sur cet individu et l'effort a été si violent quand j'ai pris le frigo que j'ai succombé à une crise cardiaque. Me voilà. Ah bon, répond Saint-Pierre passionné, c'est bon, c'est bon, vous êtes admis au paradis. Le second tome se présente peu après. Et commence à raconter l'histoire de sa mort à Saint-Pierre. Voyez-vous, j'étais en train de repeindre mon balcon au 17 e étage d'une tour. Mon tabouret a vacillé, j'ai basculé dans le vide, mais j'ai vu la possibilité, ouf, de m'en rattraper à un balcon deux étages plus bas. Je pensais être sauvé. Quand le propriétaire de ce balcon a commencé à me piétiner les mains, à me casser les doigts à coups de marteau, il était complètement fou ce type, furieux que je m'accroche à son balcon. Alors j'ai lâché prise, et comme je ne suis pas mort tout de suite, il m'a balancé son frigo sur la gueule pour m'achever. C'est dingue Oui, 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 dit Saint-Pierre, je connais cette histoire. Entrer au paradis. Un troisième homme arrive et entame lui aussi son récit à Saint-Pierre. Écoutez, moi j'ai rien compris, franchement, je ne sais pas comment tout ça est arrivé. J'étais caché à poil dans un frigo. <rires> ça <rires> va, dit Saint-Pierre, je connais la suite. <laughs> allez, allez. Allez, ben. Pierre a une elle, elle lui plaît à notre pierres. Ah ouais. oui, à notre Pierre, Belmar. Allez, Valérie Benahim aussi est drôle, vous le savez, Pierre. Hein. Oui, ça, elle est très très drôle. Elle ouais, ah, ouais. me fait rire tout le temps. Ouais, je, je vous sens moins convaincue, mais on va si, la faire. Si si, 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 elle est très drôle. <laughs> si, si, allez, c'est parti. Vous allez voir, je vais exploser. Alors, alors c'est Dieu qui décide de créer l'homme. Et une fois Adam créé, Dieu l'appelle pour faire un petit briefing. Bon, écoute, Adam, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Bah, Seigneur, donnez-moi d'abord la, la bonne en premier, c'est mieux. Bon, écoute, quand je t'ai créé, je t'ai donné deux organes importants le cerveau. Et le pénis, ainsi que plusieurs litres de sang. Bon, très bien, merci Seigneur, merci pour cette bonne nouvelle. Mais, mais je ne comprends pas quelle est la, la mauvaise. Bah ben, écoute, Adam, plusieurs litres, c'est bien, mais ça ne sera pas assez pour faire fonctionner les deux en même temps. <laughs> <laughs> ouais, c'est ah bon, c'est bon ah c'est bon, bon, Pierre c'est bon bon, bon. bon, c'est Jean-Pierre Foucault, je pense qu'il gagne aujourd'hui.